Alaska reste paralysée par le blizzard, tout comme une grande partie du sud-est du pays. La capitale roumaine fait face à de forts vents accompagnés d'importantes chutes de neige. De nombreux trains ont été annulés, l'ensemble des écoles fermées. La capitale vit au ralenti. Ces intempéries qui durent depuis plusieurs jours devraient se poursuivre selon l'Office national de la météo. Nous prévoyons des rafales de vent jusqu'à 80 km/h, dit cette responsable, et une augmentation de la couche de neige en plus de celle existante de plus de 40 cm. Il y a quelques jours, deux personnes ont péri victimes de ces tempêtes de neige. À la campagne, certains villages se retrouvent complètement isolés. L'armée a dû être appelée à la rescousse. Par endroits, la couche de neige dépasse les 2,5 mètres.